Francis Renaud, Jean-Baptiste Monnier, bonjour. Bonjour. Alors, où en est ce projet, Le bruit d'un cœur qui tremble? On est en train de dormir. Tom Hanks, parce qu'il s'est croisé il n'y a pas très longtemps au Festival de Deauville. Voilà, exactement. On a bu un verre et puis je lui ai dit que j'adorerais qu'il soit dans le film. Voilà. Tom Hanks, come with us. Il est né quand, Arthur Rimbaud? En 1873? Non. Sérieux, 1851. Il est mort à 37 ans. Ouais, quelle date? C'est parce que j'ai dit. Il est décédé en 1891, mais il est né en 1900. 1854. 1854. Ah, toi, tu as improvisé quand il me donne des trucs. Tu veux vraiment qu'on fasse ça, là? Alors, récite-moi tous les poèmes de Rimbaud. Qu'est-ce qui nous veut? Les effarés. Je pense que les internautes sont aussi contents d'avoir un peu de déconne. Il faut. Les effarés, mais on a changé de titre pas mal de fois, quand même. Trois fois. Il y a eu Maudit soit-il, Les effarés, et là, aujourd'hui, c'est Le poète en cœur qui tremble. Bon, ben merci beaucoup, Francis Renaud, Jean-Baptiste Monnier. On vous suit, on croise des doigts. Merci à toi, Jean-Baptiste. Merci à toi, Francis. Vraiment, merci à toi. Et avec Marshall, Olivier Marshall. Avec Olivier Marshall. Mais où est-il? Sylvain Goldberg de Nexus Factory et Pet Company présente Le bruit d'un cœur qui tremble. Merci à vous.